famille, je voulais juste partager avec vous un message qui est très important pour nous, les vrais Guinéens. Parce que il y a les faux parmi nous. Et les faux là, moi je ne vais pas m'arrêter de parler votre nom. Les faux qui sont parmi nous là, les faux Guinéens là, c'est à vous que je m'adresse. C'est-à-dire, quand on dit les faux, ça y est, c'est les soussous, ça y est, c'est les peuls, ça y est, c'est les malinqués, ça y est, c'est les gaisés, ça y est, c'est toutes les races qui sont en Guinée là. Donc, c'est les faux Guinéens que je m'adresse ce soir là. Parce que c'est eux qui ne veulent pas la paix dans notre pays là. Les faux qui sont parmi nous là, les faux Guinéens là, c'est à vous que je m'adresse ce soir. Parce que vous, vous ne voulez pas travailler. On a compris votre plan là. Vous ne voulez pas travailler. Vous voulez seulement, vous êtes habité avec cash qu'on vous donne là. Donc, n'importe quelle personne qui peut avancer le pays là, c'est vous qui sont assis, c'est vous là-bas, en train de critiquer l'intéressé. Parce que vous ne voulez même pas que des bonnes personnes, des vrais qui veulent changer le pays là, vous ne voulez pas que et ils viennent à la place. Parce que quand et ils vont venir là, votre facilité de manger l'argent facile là, tout va s'arrêter parce que vous ne voulez pas travailler. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Vous, les mauvais Guinéens qui sont parmi nous là, ce soir là, je m'adresse à vous. Ça y est, c'est les jeunes, ça y est, c'est les vieux, ça y est, partout. Surtout les clans que Alpha Condé les a. Groupe de Alpha Condé les a comment dirais-je, formés là. Commencez à vous déformer. Vous, qu'on vous a formé là, commencez à vous déformer dès maintenant. Parce que la Guinée, je vous ai bien dit que la Guinée est sur le point de bouger. Donc, si on vous a formé là, commencez à vous déformer. Commencez à être un bon citoyen. Le message là, c'est pour vous le soir. Commencez à être un bon citoyen. Parce que là où nous, on est arrivé comme ça là, on ne va plus vous laisser faire maintenant. Ça, c'est fini. On a fait jusqu'à ils ont enlevé votre chef et leur groupe là. C'est fini. Je vous ai bien dit que quand Alpha va partir, tous les mauvais sales comportements qui se passaient en Guinée là, tout va partir avec eux. Donc, vous, qu'on vous a formé là, pour être comme eux, toujours mettre le pays là en retard, commencez à changer. Parce que nous, on ne va pas vous donner le temps. Ça, c'est fini. On ne va pas vous laisser le temps. Donc, ce qui est bon pour vous là, il faut mettre dans votre tête que le pays là, c'est le moment maintenant de mettre le pays là sur le bon chemin. Mettez ça dans votre tête. Parce que nous, on ne va pas vous laisser. On ne va pas vous laisser. On ne va pas vous laisser nous diviser maintenant. Ça, c'est fini. On ne va pas vous laisser maintenant manger l'argent facile. Ça, c'est fini. On ne va pas vous laisser nous mentir maintenant. Ça, c'est fini. Tous les sales comportements que vous venez, vous fêtez sur les ans là. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Je veux mettre ça dans vos oreilles aujourd'hui. Ça commence les vieux jusqu'à nos amis qui sont contaminés dedans là. Changez. C'est le bon moment maintenant de se dire la vérité pour que le pays là avance. Parce que votre mensonge là, vous êtes habitués avec ça. Je vous dis bien la famille, les mauvais grains les mauvais Guinéens là, les faux Guinéens là,
ça y est dans tous les races qui sont en Guinée là. Soussou, Malinké, Peul, Guerzé, Thomas, quoi, ils sont mélangés là-bas. Donc, commencez à changer. Nous, on n'a pas le temps maintenant pour écouter vos foyers là. Ça, c'est fini. Nous, on est là maintenant pour travailler ensemble. Pour travailler ensemble. Et la famille, nous qu'on veut le bon changement pour notre pays. Nous qu'on veut mettre ce pays-là dans la joie. Il ne faut pas qu'on écoute les individus qui sont parmi nous là. Ce n'est pas les gens qui arrangent. Ce n'est pas les gens qui travaillent. C'est les gens qui sont là, qui sont habités avec le système là. Donc, ils ne veulent pas que ça change. Ils ne veulent pas que ça change. Donc, ils vont passer par tous les moyens pour que toujours le chose là reste. Et ça ne va pas rester. On a compris tout. Il faut que nous aussi, on s'arrête pour leur dire. Pour leur dire. Même quand vous êtes dans le quartier là, en causant là, remarquez bien. Ils sont parmi nous. C'est par rapport à leur causerie que tu sais que lui là, ce n'est pas quelqu'un de bien. Ce n'est pas quelqu'un qui veut vraiment le bonheur de ce pays là. Donc, entre vous là-bas là, quand vous remarquez là-bas, là, ils sont parmi nous. Donc, les gens comme ça, là, ne les écoutent même pas. Parce qu'ils sont déjà formés par ça. Et ils veulent seulement la facilité. La facilité. Et c'est la facilité là qui a mis notre pays là à terre. À terre. Même quand il vient... Tu veux quelque chose, tu as l'argent seulement. Non. Cette chose-là est pour toi. Donc, leur réseau-là, ils ne veulent pas que ça change. Il faut qu'on leur montre que tout doit changer. Tout doit se mettre dans l'ordre maintenant. C'est pourquoi ils sont là. Quand on dit, quand on présente les bonnes personnes qui savent travailler, qui connaissent les chemins pour avancer le pays, ils ont là toujours à dire quelque chose ou l'intéresser. Donc, il ne faut pas que nous, on les écoute, la famille. S'il vous plaît, si on veut vraiment que le pays la change, il faut qu'on arrête d'écouter les individus comme ça. Ils vont toujours dire des choses sur quelqu'un parce que ils savent que toi, quand tu vas venir là, tu vas faire un bon travail. Et ça, ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas, la famille. Il faut qu'on ouvre bien les yeux là. Si on a déjà compris ce qu'on ne comprenait pas là, il faut qu'on soit ensemble. C'est ça qui peut nous renforcer. Même s'ils disent quoi sur quelqu'un, laissez l'intéressé venir d'abord faire. On va voir. On va voir. Nous, on n'est pas là maintenant pour dire que ah, telle personne a fait ça pour écouter les gens. On veut maintenant des personnes qui sont vraies. Et quand on montre les vrais là, ne viens pas parler de n'importe quoi sur l'intéressé. Laissez l'intéressé faire d'abord son travail. Vous allez voir. Quelqu'un que tu n'as pas vu d'abord faire quelque chose, comment tu peux venir le juger comme ça là, un bon matin? Si ce n'est pas la méchanceté. Si ce n'est pas la méchanceté. Au temps de Alpha Condé, tous les gens qui démissionnaient là, c'était les vrais fils parce que leur sorcellerie qui était là-bas, là, toi qui aimes ton pays, tu ne vas pas trahir ton pays. Tu ne vas pas trahir ton pays. Donc, leur semaine là, les gens qui ont démissionné dedans, et ils ont vu la réalité. Ils ont vu que
groupe que je suis dedans là, ils ne sont pas là pour la famille. Et moi, je viens de cet pays. Je ne dois pas trahir le pays là. Donc, votre sale comportement là, je ne suis pas dedans. C'est les gens là qui sont démissionnés. Ils ne peuvent pas s'arrêter pour vous dire en ce moment. Parce que tu parles seulement, ils vont te tuer. Ils ont tué d'autres même pour ne pas qu'ils disent leurs secrets. Ils ont fait disparaître les gens qu'on ne les a même pas vus jusqu'à présent. Donc la famille. You okay? Okay. Ils ont disparu les gens qui voulaient vraiment le bon pour le pays là. Ils ont fait disparaître les gens là. Parce que leur sale comportement qu'ils sont en train de faire là, ils ne veulent pas que les gens là découvrent ça devant les peuples. Ils ont fait disparaître les gens comme ça là. Donc leurs grains qui sont parmi nous là, leurs mauvais grains qui sont parmi nous là, il faut qu'on leur montre que yeah. Hein? Oh, ok. Excusez-moi la famille. Je suis au travail, mais je communique avec vous. Il faut que on leur montre que nous, on n'est pas là pour ça maintenant. On n'est pas là pour ça. Leurs mots qui mettent entre nous, juste pour nous diviser là, ils ont des mots sales là. Quand ils parlent, d'autres même voient les gens, ils n'ont pas discuté avec l'intéressé. L'intéressé ne les a même fait dans la vie, mais ils vont lui détester comme ça parce que tout simplement le mot qu'on a dit sur lui et ce que tu n'as pas vu avec tes propres yeux là, sauf dans la bouche de quelqu'un. Moi, je suis quelqu'un, je ne juge pas quelqu'un par rapport à ça. Là où on est arrivé là, on veut voir maintenant. Laissez nommer les vrais, laissez le colonel nommer des personnes qu'il a confiance à eux. Qu'il a confiance à eux. Le jour qu'on a nommé encore le premier ministre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, il se connaît avec chose, comment dirais-je, sa maman Apple, il se connaît avec Seloudalin. C'est-à-dire, vous êtes là, je ne sais même pas. Pourquoi Apple ne peut pas être président en Guinée? C'est pas Guinée, il n'est pas Guinéen. Il n'est pas Guinéen. Tout ce qu'on dit, même si on met Apple par là, il faut voir certaines personnes en train de crier comme ça là. Les vauriens comme ça là. Les bons à rien comme ça là. Ça, c'est leur travail. Parce que n'importe quel individu qui s'assoit pour juger seulement son ami, tout simplement comme ça là, ce sont des gens. C'est-à-dire, ils n'ont pas le temps de mettre leur vie sous le bon chemin, mais quand il voit ta vie sous le bon chemin, c'est pour venir dire de n'importe quoi ici. Nous, on est fatigués. Peu l'air comme ça, peu l'air comme ci, peu l'air comme ça. On est fatigués. On a tout compris maintenant. Peu soit comment, il soit comment, il va gérer ce pays-là. Là où vous, les méchants là, vous, les diviseurs là, vous les mauvais grains là, ça y est dans toutes les communautés de la Guinée, toutes les races de la Guinée, ça y est dedans. Vous qui ne veulent pas voir les peuples au pouvoir, vous allez voir ça. Vous qui ne veulent pas voir les forestiers au pouvoir, vous allez voir ça un jour. Parce que c'est ça qui vous fait mal et vous ne pouvez rien faire. Laissez les autres aussi bien gérer.
pour qu'on va voir votre parole là, on est fatigué de ça maintenant. On est fatigué de ça maintenant. Vous ne pouvez pas arranger et les gens qui veulent arranger encore, vous ne voulez pas les voir au pouvoir. Ça, c'est quelle méchanceté ça. Et vous avez toujours les mots sales, sales là dans vos bouches pour décourager les gens. C'est vous qui ne voulez pas le bonheur de ce pays. C'est vous qui ne voulez pas le bonheur de ce pays. Ils sont là, quand ils se regroupent, c'est pour mélanger des choses. C'est pour monter des faux projets. Venir mettre seulement le pays là en retard. Prenez l'argent du pays seulement, allez faire comme il veut. Sans travailler la Guinée. Vous n'avez pas honte de voir le pays là comme ça. Et c'est les gens comme ça, quand ils t'assoient à côté d'eux, c'est eux qui sont là à dire, la Guinée est déjà gâtée. C'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui ont gâté la Guinée. Donc leur slogan, c'est pour dire maintenant, ah, la Guinée ne peut pas s'arranger. Parce que leur mensonge là, ça circule maintenant en Guinée, ça fait que le pays est en retard. Donc quand ils s'assoient, c'est pour décourager toujours les nouvelles générations. Et notre génération là, nous, on est prêts pour vous. Parce qu'on ne va pas vous laisser le temps. On ne va plus vous laisser le temps. Ça, c'est fini. Nous, on est là maintenant pour une Guinée solide. Nous, on veut maintenant le meilleur pour le pays là. On veut le bon pour le pays là. Et vous allez avoir honte. Vous allez avoir honte. Parce que les gens que vous ne voulez pas les voir, là où vous pensez, là, vous allez les voir là-bas. Et ils vont venir vous montrer l'exemple. Ils vont venir vous montrer comment travailler son pays. Comment être un bon citoyen. Mettre des lois. Mettre des choses que vous, vos regards là, ne voyez pas, sauf l'argent seulement, l'argent, l'argent. On dirait que Dieu a dit à chacun en venant, il faut venir avec tel son. Si c'est ça que Dieu nous avait dit là, au moins parlable de ça là, on allait comprendre. Tous les dollars et beaucoup d'argent qu'on a fait sortir, c'est les êtres, c'est les certaines personnes là dans leur maison avec toutes difficultés là qui passaient en Guinée, même leurs voisins, ils voyaient leurs voisins souffrir comme ça là, sans venir en aide. L'argent qu'on cesse là, c'est parce que quand tu n'as pas, que tu cesses chaque jour. Si Dieu te donne même là et que toi même tu t'assois à la maison, tu regardes le travail que tu as fait, c'est l'argent de ça là qui est devant toi. Tu ne peux même pas manger, toi seul. Tu peux souffrir toi seul pour cesser. Mais un bon fils de Dieu ne peut pas manger ça seul. Vous partez, en ce moment-là, vous partez payer des véhicules, des bonnes choses, mais la route que vous circulez là pour partir au travail, c'est gâté. Ça là, ça vous dit rien même. Et il y a des richards chez nous là-bas. Je connais un monsieur qui était à Zérékouré, paix à son âme, Mamadi Camara. Le monsieur là, le bon qu'il a fait, que Dieu paye à ses enfants. Le bien que le monsieur là a fait, que Dieu paye à ses enfants. Que Dieu lui donne le paradis. Là où nous, on était logés, dans une de ses cours à Zérékouré là-bas.
notre route là. Je parle comme ça avec vous. Certaines personnes que j'ai grandi avec eux, ils sont là, ils me regardent. Ils vont venir témoigner ici. Le monsieur là, des fois quand la pluie vient, la route là, commencez à Niensokora là-bas, jusqu'à au guidon, le monsieur là prenait, c'est lui seul qui prenait leur machine là pour gratter la route là. Et il n'est pas seul. Il y a les gens comme ça, c'est nous, qui ont le bon cœur pour aider. Pour aider, ça, c'est pas le travail du gouvernement. Hein. Ça, c'est le travail de bonne volonté. Et c'est quand tu aimes ton pays que tu fais des choses comme ça. Ils sont beaucoup. D'autres font autre chose plus que ça. Quand tu aimes ton pays, il y a des gestes que tu fais. Et c'est pourquoi je vous dis, dans la vie là, chacun est venu pour une mission. Donc les médecins là aussi, c'est leur travail ça. Et aussi c'est leur mission ça. C'est-à-dire gâter seulement, ça arranger. Donc nous qui comprenons les choses bien là, nous qui veulent le bien de ce pays, la famille, donne-nous la main. C'est tout ce que je peux vous dire. Donnez-nous la main. Regardez des personnes qui sont devant nous, des sages qui veulent travailler avec nous, des personnes fortes qui veulent avancer le pays là avec nous. Suivons les gens comme ça là. Arrêtons d'écouter les ondits, les escrocs qui veulent toujours nous mettre ensemble. Leurs mots là, ils ne vont pas changer. C'est-à-dire, ils sont formés avec ça. Ils sont formés avec ça. Donc, il ne faut pas que nous, on les écoute. Quand on dit la Guinée est une famille, ça veut dire beaucoup de choses. Ceux qui ont eu mal, ceux qui ont eu la joie, si on a décidé pour le meilleur, oublions tout, pardonnez les uns et les autres. L'eau qui est déjà versée est déjà versée. Si on s'arrête aujourd'hui pour dire que on va prendre certaines choses comme ça se doit, on va rester sous parole là seulement. Le travail qu'on a à faire, on ne va pas faire ça. Si on veut s'arrêter pour discuter tout, pour juger tout, le travail qu'on a à faire là, on ne va pas faire ça. Notre génération là va vieillir dedans. Les autres qui vont venir encore vont suivre la même chose. Donc arrêtons tous les débats là. Arrêtons toutes les choses là. Donnez-nous la main pour que ça travaille. Pour que le pays là commence à travailler. On a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de choses à faire. Donc, arrêtons de parler jugement, nos jugements. Les gens qu'on peut les juger vrai, vrai là. Et ils sont déjà là-bas. Les gens qu'on doit les juger, il faut qu'un vrai jugement là, on va les juger. Mais ce qui arrive à des problèmes petits, petits là, on n'a qu'à se pardonner. On ne connaît pas demain. On ne connaît pas ce qui va nous arriver demain. On est ensemble. On vit on vit ensemble. Donc, il ne faut pas qu'on mette quelque chose ici et qu'on n'enlève pas ça là-bas pour partager entre nous. Oublions tout. La joie que Dieu nous a donnée là. C'est à nous de terminer le reste. Et il ne faut pas qu'on soit dur encore entre nous. On n'a qu'à se pardonner. On n'a qu'à se donner la joie que Dieu nous a donnée.
et puis continuer ensemble. C'est tout ce que je peux vous dire, la famille. N'écoute pas les mauvais grains qui sont parmi nous là. Et ils vont changer, mais il faut qu'on soit fort plus que eux. Il faut qu'on soit fort plus que eux. Ils ont dit leur mot là. On n'a qu'à laisser voir maintenant. Pour montrer ce que eux, ils sont là à dire là. Si c'est vrai ou bien c'est faux. Là où on est arrivé là. Tu viens, tu ne fais pas un bon travail. On va en parler. Alpha Condé était là-bas. Quand Dadi s'est venu là, Dadi était sur le bon chemin. Qui sortait pour parler? Quelqu'un qui est là pour nous donner la joie, est-ce qu'on a même le temps de parler sur l'intérêt? Ce qu'on veut, tu nous donnes ça. Qui va parler même? Chacun de nous seront concentrés pour faire son petit travail. Parce que quand on a le courant 24 heures sur 24, les gens qui vendent l'eau, les gens qui veulent ouvrir restaurant, c'est-à-dire tout le monde serait là à cesser quoi faire. Les gens qui veulent encore envoyer des projets, c'est-à-dire tout le monde, parce que quand le pays est doux, on n'a même pas, quand le gouvernement est là à faire un bon travail, qui a le temps même de dire il fait ça, il fait ça. Là où moi je suis en Amérique ici, moi je prends toujours l'exemple ici. Là, parce que quand ils parlent, les gens disent que là-bas c'est un grand pays, ils sont développés. C'est les animaux qui travaillent ici, ce n'est pas les êtres humains qui travaillent ici comme nous. Ce qu'ils font là, nous on ne peut pas faire ça. Et ils ont mis tout dans la disposition des populations ici. Le matin, qui a le temps même de les regarder? Même journal là. C'est les gens qui suivent journal là, qui veulent connaître ce qui se passe toujours, qui regardent. Sinon, les gens qui sont là à travailler dur là. Des fois même, c'est dans ton téléphone que tu peux constater des choses. Parce que tu es busy, tu es occupé. Tu es occupé. Ils ont mis tout dans la condition des choses, comment dirais-je. Ils ont mis tout en place. Donc, quand la population, ce que la population a besoin, quand il a la moitié de ça, il n'a pas le temps de regarder beaucoup de choses. Donc, la famille, donnez-nous la main pour qu'on sauve notre pays là. Pour qu'on enlève dans la main, on a enlevé les grands groupes là, hein, les petits groupes qui sont parmi nous là. Il faut qu'on mette nos pieds encore dans leur bouche. Et on est là pour ça. On est là pour ça. Vos grandes bouches qui sont là à mentir seulement là, juste pour nous diviser là, nous, on ne va pas vous laisser le temps. Vous voulez, vous ne voulez pas, Peul va gérer le pays là. Vous voulez, vous ne voulez pas, Forestier va diviser le pays là. Vous voulez, vous ne voulez pas, toutes les races en Guinée, là où on est arrivé maintenant, là. Chacun de nous va passer là-bas. Mais tout là, c'est pour les peuls. Ça va rentrer dans vos oreilles. Vous qui ne voulez pas voir les peuls là, vous qui parlent souvent sur les peuls, sont comme ça, je veux que ça rentre dans vos oreilles là. Ils sont Guinéens comme vous. La Guinée n'est pas écrite dans votre village. La Guinée n'est pas, votre nom n'est pas écrit sous là-dessus. Nous tous, on est Guinéens. Donc, c'est pour vous dire que vous voulez, vous ne voulez pas, il va gérer le pays là. Il va gérer le pays là. On est fatigué de votre mensonge. On est fatigué de votre mensonge qui nous fait diviser là. On est fatigué de ça. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Si tu n'aimes pas quelqu'un là, reste dans ton coin. Ne lui bloque pas sa route. Dieu a mis la route de chacun. Donc, quand ton cœur n'aime pas quelque chose là, reste toi et suis ton chemin.
Arrête de bloquer l'intéressé dans le mensonge. Le soleil que Dieu a mis sur la route, même si tu fais comment, ça va sortir. Ça va sortir. Donc, votre mensonge là, nous, on est fatigués de ça. Laissez-nous comme ça maintenant. On veut une famille. On veut l'attente maintenant entre nous. Pour que le pays la change. Pour que le pays la change. Parce que c'est vos mensonges là que vous venez détruire nos pauvres parents qui ne comprennent pas beaucoup de choses. Venez les détruire pour qu'ils vont suivre votre chemin. On est fatigué pour ça maintenant. On veut une bonne gouvernance. On veut l'attente entre nous. On veut maintenant travailler ensemble pour développer ce pays-là. Donc, vous qui ne voulez pas faire la même chose-là, vous qui sont là à nous séparer, on a tout compris. On est fatigué de votre méchanceté-là maintenant. On est fatigué de votre mensonge-là. On veut travailler maintenant ensemble et on est prêt. On est prêt. On ne va plus laisser le temps pour vous maintenant. Et la famille, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le monde où on est aujourd'hui là, chacun de nous a téléphone. Chacun de nous regarde l'internet, ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est les autres. Ce qui se passe, c'est les autres. Hein? Les Guinéens étaient devenus entre eux comme chat et chien. Comme chat et chien. Tout ça là, les individus méchants qui sont parmi nous, qui profitent le bien du pays sans travailler, ils ont venu mettre la méchanceté là entre nous. On ne pouvait même pas se communiquer bien. On ne pouvait même pas se regarder bien. Et tant qu'il y a ça entre nous, c'est la joie qui fait que quelque chose devient bon. Mais la haine, la méchanceté, ça ne rend pas quelque chose joli. Je prends l'exemple. Samson de Ajaï et sa femme qui vient de santé là. Même les couples étaient dérangés comme ça là. Mais regardez, les gens, là où il y a l'amour, là, on arrange tout. C'est-à-dire, il faut être malin pour comprendre des choses. Azaïa et sa femme, là, leur Samson, là, ça a arrangé beaucoup de couples aujourd'hui. Ça fait que même les couples, ça a montré même les vrais couples sur les réseaux sociaux. Les vrais couples, là, on les voit maintenant. Les vrais couples là, on les reconnaît maintenant. Parce que quand il y a l'attente quelque part là, ça se compare. Moi aussi j'ai vu telle personne et sa femme comme ça. Moi aussi j'ai. C'est concurrence maintenant. Donc on connaît maintenant les bons couples sur les réseaux sociaux. Même les gens qui mentaient là, les gens qui ont 3-4 femmes. Sans qu'on ne les voit pas là, on connaît maintenant qui est vrai, qui est faux. Tout ça là, c'est Azaïa et sa femme qui ont fait ça là. Parce que et ils ont montré à tout le monde que et personne ne peut rentrer entre eux. Et tant nous les Guinéens, quand on se prend comme ça là, quand on se prend comme ça là, nous les ethnies, quand on se prend comme ça, la personne ne va rentrer entre nous. Vous allez voir, le pays là va être sur le bon chemin. Parce que c'est l'amour qui arrange tout. Ce que les gens ne veulent pas vous voir faire là. S'ils vous voient concentrés sur ça, ils vont faire tout. Si vous ne les écoutez pas, ils vont vous laisser tranquille. Donc, les mauvais grains qui sont parmi nous, là, s'ils voient que vraiment là où nous, on est arrivé là, on veut maintenant le bon, leurs mensonges là,
n'y a pas quoi. Moi, je prends l'exemple. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit à Zaya et sa femme. Les ennemis voulaient les séparer matin, bonheur, comme ça. Diaka, c'est les couples qui s'aimaient comme ça, là, bien. Ce n'est pas elle seule. Beaucoup de couples se sont séparés comme ça. Hein? Donc, les escrocs, là, ils sont partout. Ils ne veulent pas voir les gens ensemble. Ils ont toujours leurs mots à parler comme ça. Donc, les mauvais Guinéens qui sont parmi nous, là, il ne faut pas que nous, on les écoute. Telle race est comme ça. Telle race est comme ça. C'est eux qui ont toujours défaut. Et pourtant, ils sont assis, leur défaut est rempli dans leur sac. Au lieu de prendre ça, mettre ça en détail pour que leur vie soit bien, c'est pour venir gâter encore pour les autres comme eux. Nous, on n'est pas là pour ça. On veut maintenant voir le pays là ensemble. On veut maintenant voir le pays là en avance. Votre mensonge là, c'est fini. Nous, on va travailler ensemble pour donner la joie à nos enfants qui s'élèvent comme ça, pour donner la joie à nos petits-enfants qui vont venir demain. Pour que eux aussi, ils puissent masser sous l'amour là, être ensemble. Être ensemble. Donc la famille, donnez-nous la main. C'est l'union qui fait la force. Ça ne va pas finir. Il faut qu'on sorte des fois pour dire la vérité à les méchants qui veulent nous diviser chaque fois. Il faut qu'on leur montre que on a tout compris. On n'a plus le temps pour votre sorcellerie là. On n'a plus le temps pour votre mensonge là. On veut travailler maintenant ensemble. On veut se regarder maintenant entre nous. Donc c'était ça la famille. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu bénisse les enfants de la Guinée.